glace, monsieur. Oui, mets cela. Tu te débrouilles dans la maison? Sans difficulté. On sera cinq à table. Mariette l'a dit? Oui, monsieur. J'attends seulement ma fille et mes deux fils. Fais l'entrée directement, pas besoin de les annoncer. Bien, monsieur. Personne n'est encore arrivé. Ah, ça se verrait. Je n'ai aucune confiance en cette réunion. Je parais que nous n'arrivons même pas à discuter de la question de l'autopsie jusqu'au bout. Ça va dégénérer en dispute, vous verrez. C'est à croire. Vous n'êtes plus des enfants les uns les autres. Vous êtes capable de parler sans vous chamailler? Pas en votre présence. Comment ça? Mon Dieu, voyons les choses avec réalisme. Nous sommes tous plus ou moins bloqués, émotionnellement bloqués en votre présence. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que chacun de nous garde de son enfance trop de souvenirs pénibles, trop de rancunes mal digérées, trop de rages refoulées. Ça veut dire qu'il nous est presque impossible d'être parfaitement à l'aise devant vous. Je sais même pas de quoi tu parles. Rancune, rage. En v'là des enfants. Je dois avoir plus de cœur que vous autres, parce que moi, personnellement, je vous en veux pas ni aux uns ni aux autres. Il manquerait plus que ça. Mais où est le mérite? Les lions non plus n'en veulent pas à leurs victimes. Pff, ben, marche donc, tu secouer. On dirait pas que j'ai passé ma vie à vous mordre. Est-ce que tu peux être compliqué, mon pauvre Michel? Ben, excusez-moi, je reviendrai quand les autres seront là. Qu'est-ce qu'il y a dans lui? T'as quoi, je les ai martyrisés, mes paroles. Comment je pourrais bien y prouver que les autres pensent pas comme lui? Bonsoir. Vous êtes seule? Tiens, Céline! Comment ça va, ma belle Céline? Embrasse-moi sans cœur! Vous savez, après un certain âge, ça ne se fait plus beaucoup. C'est à croire. T'as beau être devenue une dame, tu restes toujours ma fille. Je veux pas t'insulter, mais c'est un peu frette. Je pense que t'as besoin d'un petit coup pour te dégeler. Oui, 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 bonne idée. Quelle belle vue vous avez. C'est ce qui m'a manqué le plus quand j'ai quitté la maison. Aussi les grandes pièces, bien sûr, mais surtout la vue. Il en tient qu'à toi de la voir tous les jours. Ah, j'en demande pas tant. Je parle sérieusement, Céline. Si ça te plaisait de venir vivre ici avec Gabriel... Moi? Je ne demanderais pas mieux. Vous pourriez vous organiser toute une série de pièces en haut. On ne verrait qu'à l'heure des repas. Peut-être un peu le soir, quand ça vous le dirait. Avant longtemps, Michel était à veille de s'en aller. Alors, je vais être tout seul. Ah, c'est pour ça qu'il nous a convoqués? Michel, non, 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 pas Allô, du tout. Céline. Le... Ah, tiens, lève-la. Allô? En fait, comment ça se fait que tu sois encore ici? Tu devais pas retourner en Europe quelques jours après la mort de maman, toi? Tu ne me croiras jamais. Figure-toi donc que je n'avais plus un sou. Mais oui, même pas de quoi prendre l'avion. Michel. Tu vois bien qui te fait marcher. Oh, c'est une blague? Mais pas du tout, je n'ai jamais été plus sérieux. Ben, si c'est vrai, c'est honteux. Voyons donc, t'avais comment demander, espèce de fafouin. Pour me faire reprocher ensuite de quêter? Mais t'aurais pu venir me voir ou demander à Gabriel si ça te gênait. Une si petite somme, c'est ridicule. Un billet de retour. T'es vraiment trop bête, toi. Ben, je me suis dépanné tout seul. Des conférences, des interviews à la télévision, à la radio. J'ai tout ce qu'il me faut maintenant. Et même plus. Merci quand même. Je comprends pourquoi tu étais si déçu de voir que maman ne nous laissait rien. Qu'est-ce que je te sers, Michel? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, toi tout seul. Erreur, je ne suis pas seul. Bonsoir. Ah, Simone. Simone? Eh oui, Simone. Mais alors, c'est vrai, j'étais pas invitée. Tu vois, elle voulait pas me croire. Mais dans ce cas... Faites donc pas d'histoire. C'est une réunion de famille, c'est pas une réunion mondaine. Ah, c'est ma faute, Simone, je m'excuse, j'ai oublié de mentionner à Laurent. Qui devait pas m'amener? Est-ce qu'elle peut être chichiteuse? Céline. Quoi donc? Ah, les femmes. Sers-lui à boire, Céline, allez jaser ensemble, toutes les deux. Mm-hmm.
Vous avez une très jolie robe. Et alors, saurons-nous bientôt pourquoi tu nous as convoqués? Oui, monsieur. T'ajouteras un couvert de plus à table. On sera 6 au lieu de 5. Bien, monsieur. Pourquoi c'est pas Albert qui est là? Il est malade. Dis donc, ce serait pas au sujet du testament de maman que tu nous as fait venir par hasard? Non, Laurent, non, cette soirée ne te rapportera pas l'ombre d'un bénéfice. Bonsoir. Ah, Gabriel. Tu es vengé, Simone. En voilà un autre qui n'était pas invité. Non? Non. Gabriel, quelle bonne surprise. C'était pour me jouer un tour. J'ai pris pour acquis que tu étais invité. Tu vois? Eh bien, mon vieux Michel, ça t'apprendra à faire tes invitations correctement. J'y suis, j'y reste. Comment donc? Vous voyez, il n'est pas compliqué, lui. Je veux bien être pendu si cette réunion aboutit à quelque chose. Vous avez sonné? Oui, oui, on est rendu 7. Avertis Maria. Ça va pas, Céline? Je m'ennuie. Mais de qui ou de quoi? De rien. Tout m'ennuie. Tout. M'ennuie, ça m'ennuie. Vivre m'ennuie. Connais-tu un remède à ça? Pour la plupart des femmes, il y en a un. Lequel? L'amour. L'amour. Faudrait que j'en parle à Gabriel. Je t'en prie. Encore en pleine crise d'euphorie, pour ne pas dire d'hystérie. Ah. Ne vaut rien ton remède, Michel. Le mien est meilleur. Quel remède? Boire. Et rassure-toi, je ne m'en prive pas. Elle est mûre pour le canapé. Le canapé? Canapé d'un psychanalyste. Bonsoir. Eh ben, mon vieux, encore une qu'on n'attendait pas. Cette fois, la famille est au complet. Vous aussi, Geneviève. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous sommes de trop? Jamais de la vie, Geneviève. C'est tellement rare qu'on vous voit ici. Ah, voilà qui est plus sympathique. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Les conjoints n'étaient pas invités. Ah. Ils nous feront manger à part dans une autre pièce, vous verrez. Fort bien, Gabriel, nous flirterons ensemble, ça leur apprendra. Jamais de la vie, si vous nous laissez ensemble, entre Martin, il paraît qu'on va s'entre-dévorer. Mais du moins, c'est l'avis de notre savant. Ah, il pourrait bien avoir raison. Qu'est-ce que je vous sers? Elle lui en fait du charme. Limite la don au lieu de la critiquer, ce serait plus profitable pour tout le monde. Eh bien, papa qui disait que ce ne serait pas une réunion mondaine, le voilà servi, avec Geneviève parmi nous. C'est raté, j'en ai bien peur. Oui? Oh, zut, arrangez-vous avec mon père. Une personne de plus. C'est la dernière, la dernière. Moi, monsieur, je veux bien, mais la cuisinière m'a chargé de vous dire que si je lui annonçais encore un invité, elle prenait la porte. Dans ce cas-là, ajoute un couvert de plus et pas de diampo. Mais elle n'a que 4 perdrix à vous offrir et vous êtes 8 maintenant. On partagera, on partagera. Dis à Maria d'ajouter des fromages, des viandes froides, n'importe quoi. Ça fera un drôle de dîner. Si vous voulez mon avis, les enfants, on serait mieux de prendre la salle à manger d'assaut avant qu'ils aient le temps de réfléchir. Sinon, ils sont bien capables de nous planter là. Hein? Viens, Michel, viens. Déride-toi. Tu vois, ils sont pas tellement bloqués en ma présence. Ils se débloquent, Michel. Ils se débloquent. Je pensais que vous dormiez. Je voudrais tellement vous enlever toutes vos inquiétudes. Oh, inquiétude, le mot est faible. Tant que cette histoire d'autopsie-là sera pas réglée, Albert en fait une maladie. Je sais. J'ai compris. Puis qu'est-ce que t'as compris? C'est son foie qui le rend si nerveux. C'est un émotif, le médecin l'a dit. C'est ça que j'ai compris?
On sait jamais, toi, avec ton imagination. Oh, si au moins je pouvais savoir où ils en sont, quelles décisions ils prennent. Je suis descendue tantôt. Je l'ai écouté derrière la tenture. Il n'avait pas l'air d'avoir encore parlé d'autopsie. Il riait, il faisait des blagues. Il riait? Il avait l'air d'avoir pas mal bu. Il riait. Ah, ouais, celui-ci. Oui, c'est vrai. Du fromage. Merci. Ah, et puis, trois étoiles. Les fameuses perdrix. 4 pour 8 personnes, Calabonde. Les affaires vont-elles si mal que ça? Pauvre monsieur Martin, je vous savais pas si près de la faillite. Vous autres, taisez-vous, ça vous apprendra à venir souper sans être invité. Personnellement, je sais de ma part à qui la veut. Ah? À titre d'avocat défenseur de la loi, je refuse d'être complice d'un acte interdit par la loi. C'est fou, lui. Jérémy Martin, vous êtes accusé d'avoir servi à votre table du gibier chassé en un temps prohibé par la loi. Vous rendant ici coupable de 2 offenses graves, complicité et recel. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Il mérite la prison. En prison, le coupable. En prison, pas de pitié. Oui, qu'il soit puni. Puni. Bravo, bravo, en prison. En prison. En prison. En prison. En prison. Qu'il paie pour tous ses crimes. Bon. Eh bien, s'il y a tient qu'à nous, vous finirez derrière les barreaux. J'ai souvent pensé que ça pourrait bien m'arriver un jour. Mais j'avais pas prévu que ça vous ferait tellement plaisir. Oh. Avouez quand même que ce serait drôle de vous voir faire de la prison pour le plus maigre de vos délits. Écoute-le donc, lui. Ça en dirait pas que j'en ai commis pour vrai des crimes. Pas des crimes, non. Bien sûr, non. Mais comment appeler ça? Votre histoire de douane l'an dernier, par exemple, c'était... Oh, là, tu tombes mal, mon pauvre Laurent. Cette affaire-là pouvait pas être plus légale. J'avais consulté 3 avocats là-dessus pour être sûr de mon coup. Soit. Mais l'affaire de la Rinton Gold Mines, par exemple, ça allait pas me dire que c'était légal. Il tient, y a pas à dire. Laurent, tu nous ennuies. Tirez-vous les cheveux au bureau si ça vous amuse, mais laissez-nous manger en paix. Les parts qui montaient, et tout à coup, un beau matin, qu'est-ce qu'on apprend? Jérémy Martin qui met toutes ses parts en vente au moment où elles atteignent leur plus haute cote. Le soir même, dans les journaux, de petits entrefilets paraissaient, insinuant qu'il n'y avait pas d'or dans la mine. Et après? Un homme d'affaires est forcément renseigné plus vite qu'un autre. Il n'y a rien d'illégal à ce qu'il vende ses parts s'il entend dire... Bravo, Gabriel. Bravo. Bon, bon, bon. Mais est-ce légal qu'il fasse lui-même répandre la rumeur dans le but de racheter à bon compte la majorité des parts mises en vente les jours suivants par des gens pris de panique? Car il y en avait de l'or dans la mine. Oh, il y en avait tant qu'on en voulait. Et même plus. Et aujourd'hui, après les démentis officiels, la confiance étant revenue, tout le monde en veut de la Rinton Gold Mines. Seulement, c'est trop tard. Jérémy Martin contrôle tout. Et après, là... Après rien. Mais quand on parle d'illégalité à propos de 4 petites perdrix, permettez-moi de rire. Je ris. Mais ris donc. Je trouve pas que tu ris tellement. Mais ris donc, Laurent. Ris donc, ris donc, ris donc. T'es pas capable, hein? Évidemment. Pour rire, faudrait que tu sois en mesure de prouver ce que tu viens de dire, mais t'as aucune preuve. C'est pour ça que le rire sort pas. Gabriel lui-même, s'il voulait parler. Toi, tais-toi! Ah, que c'est drôle! Mon Dieu, que c'est drôle! Qu'est-ce qu'il pense, celle-là? Elle a encore trop bu, je pense. Ça serait pas nouveau. Oui, pourquoi ne rirait-elle pas? Hein? Je vous le demande! Qu'allons faire, mes bien chers frères? Qu'y a-t-il de plus joyeux, de plus réjouissant que ces réunions de famille où règne une franche et saine gaieté? Que je qualifierais de familiale? Hein, une affection et une compréhension, là, toute familiale! Une indulgence réciproque,
Une tendresse qui vous réchauffe le cœur et les entrailles. Une harmonie. Il est-tu belle, cet animal-là? Gabriel, remplis mon verre. Et buvons tous au charme de la vie de famille. Oui. Des enfants, vous êtes des vrais enfants. Oh, tout de même, Michel. Quand je pense que quelqu'un a osé dire, qui donne déjà... Famille, je vous hais. François Mauriac. Roger Lemelin. Non, non, c'est Gide. Ah! Bon, peu importe. Puisqu'il y a un moment d'accalmie, je demande la parole. J'aurais préféré attendre que le repas soit terminé, mais au rythme où vous... où nous buvons, il n'y aura jamais moyen d'avoir une discussion sérieuse. Êtes-vous disposé à m'écouter? Commence toujours, nous verrons bien. C'est au sujet de maman que je vous ai réunis. Puis-je vous demander quelques minutes d'attention? Vous savez tous comme moi que, dès la mort de maman, le docteur Rondeau a demandé l'autorisation de pratiquer une autopsie. Eh bien? J'en peux plus, moi, j'en peux plus. Avez-vous appris quelque chose? Oh, rien. La cuisine, on n'entend rien. Vous pas osé demander au maître d'hôtel de quoi il parlait. Si au moins c'était mon oncle qui faisait le service, vous seriez renseigné. Tais-toi! Heureusement que ça lui a été épargné, heureusement. Voulez-vous que je descende? Que j'aille écouter comme tantôt? Encore espionner. Vous mourrez d'inquiétude. Alors, si c'est pour moi que tu le fais, sois plus généreuse. Demande-moi pas la permission. Qu'est-ce qu'elle a? Tant s'inquiéter. Mon oncle qui en fait une maladie. Si seulement je pouvais les aider. Mais comment? Le cahier de Madame Martin. C'est peut-être le temps de le donner à son fils. Elle doit sûrement en parler de l'autopsie puisqu'elle en avait si peur. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire, Madame Martin? Est-ce que c'est ça? Une autopsie. Mais c'est dégoûtant. Affreux. Gabriel, tu ne protestes même pas? C'est que je ne suis pas de ton avis. On devrait laisser les morts dormir en paix. Te mêle pas de ça, ça te concerne pas. Comment peux-tu nous demander une chose pareille quand maman elle-même s'est opposée à l'autopsie? Parfaitement. Et à cause de cela, je ne donnerai jamais mon consentement. Jamais, je le répète, jamais. Mais vous ne m'avez même pas laissé vous expliquer les raisons du docteur Rondeau. Écoutez-moi, docteur Rondeau... Un instant, s'il vous plaît, un instant. On s'entend plus ici. Voulez-vous prendre le café ici ou dans la bibliothèque? Oh, qu'est-ce que ça peut faire, je vous le demande. Si on le prenait dans le petit salon blanc comme autrefois? Oh. Hein? Quand maman vivait? Oh oui. J'aimerais ça. Il est fermé depuis la mort de votre mère, le petit salon. Ben, il n'y a qu'à l'ouvrir. Puisqu'il s'agit de maman, il me semble que c'est dans cette pièce qu'elle aimait particulièrement et où elle se tenait toujours qu'on aurait le plus de chance de s'entendre. C'est donc compliqué, beau jeu. Ça doit être tout en désordre là-dedans. Une autre fois, une autre fois. Dans la bibliothèque. Venez. Le jour où il pensera aux autres, celui-là. Viens. Tu vois bien qu'il l'aimait. Qu'il l'aimait. Au point de même pas vouloir partager son souvenir avec nous. Tu viens d'en avoir la preuve. Pensez-vous, pauvre maman. Est-ce qu'il s'est passé dépêcher de la sortir de sa vie? Il agit vraiment comme quelqu'un qui se penche. Et si c'était lui qui avait raison? En doutez-vous. Mais ça crève pourtant les yeux. La hâte avec laquelle il a détruit tout ce qui vient d'elle. L'insistance qu'il met à tenir fermées les deux pièces où elle vivait le plus souvent. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Qu'est-ce qu'il faut croire? Je sais plus, Geneviève, je sais plus. Oh! Eh bien quoi? T'as déjà vu ça dans ta vie, non?
Il est extraordinaire. Tu trouves pas? Tu sais quoi? Il m'aime. Il m'aime, Martine. Il m'aime. Et toi, Carmel, tu l'aimes aussi? Oh, moi, je me reconnais plus. Hé, hey, mon pigeon! La vaisselle! Oui, oui! Je me reconnais plus. C'est ça, l'amour? Puis se reconnaître? Ah, oh, c'est bien le moment de penser à l'amour. Pour résumer la question, nous sommes en face de deux devoirs. Celui de respecter la volonté d'une mourante et celui d'aider la science en autorisant une autopsie qui permettra peut-être de découvrir un fait nouveau sur le cancer. Il s'agit de savoir auquel de ces deux devoirs il faut donner la priorité. Il s'agit donc autant que possible d'envisager le problème sans émotivité. Autrement dit, t'es pour l'autopsie. Mon opinion a rien à voir. Je préférerais même, si vous le permettez, me retirer de la discussion. Je m'en mêle pas, moi non plus. J'ai promis à Michel de respecter l'avis de la majorité. Décidez ça entre vous autres. Viens-t'en, Gabriel, on va aller au salon. Par exemple, Michel, comment as-tu pu obtenir du tyran qu'il devienne démocrate? Personnellement, s'il s'agissait de ma mère... Ben, il s'agit pas de ta mère, alors fais comme Gabriel et tais-toi. Laurent, si je veux m'exprimer... Merci de l'avertissement, moi qui allais donner mon avis. Venez, Simone. Venez, nous en discuterons entre nous. C'est facile d'être un mari parfait avec une femme comme la tienne. Bon, si nous revenions à notre sujet, s'il vous plaît. Moi, mon opinion est faite. Je suis pour la science. C'est donc dire que je vote pour l'autopsie. Ah oui? Tu diras que je n'ai pas l'esprit scientifique. Eh bien, moi, je me moque de votre esprit scientifique. Je refuse. Pauvre maman. Et il ne s'agit plus de maman, Céline, mais d'un cadavre. Rien de plus qu'un cadavre. Tu l'entends, beau jeu? Vous n'avez plus besoin de moi, n'est-ce pas? Céline, calme-toi. Michel a raison. Maman est morte. Qu'importe son corps. Seul son esprit doit continuer à compter pour nous. C'est d'ailleurs ce qui me fait hésiter. Parce que c'est en pleine possession de son esprit et de toutes ses facultés mentales que maman a tant insisté pour qu'il n'y ait pas d'autopsie. Exactement comme si elle avait deviné que la question pourrait un jour être soulevée. Appréhension, crainte, peur, rien de plus. Peux-tu la blâmer? Je frémis à la seule pensée que ça puisse m'arriver à moi aussi. Voilà, ne cherche donc plus d'autres explications. Moi d'en douter. Maman était si remarquablement équilibrée, si raisonnablement intelligente que... J'hésite à pas tenir compte autant de ma promesse que de son insistance. Tu es aussi sentimentale que Céline, à ta manière. Il ne manquerait plus qu'il trahisse l'esprit de maman. Beau jeu, le bien-aimé. Lui qu'elle a choyé plus qu'aucun de nous. Céline. Crois-tu vraiment que maman elle-même aurait hésité une seconde si elle avait su que cette autopsie pouvait sauver d'autres malades? Oui, c'est juste. Elle qui ne pensait qu'aux autres. Non, t'as raison. Elle aurait été la première à l'exiger. Beau jeu, tu vas pas te laisser influencer. Oh, toi, quand tu te butes sur une idée... D'ailleurs, peu importe ton consentement du moment que j'ai celui de Beau jeu et de Laurent. Nous sommes trois contre un, ça suffit. Pardon. Beau jeu n'a pas dit qu'il acceptait. Beau jeu? J'avoue que ton dernier argument m'a ébranlé. Monsieur Beau jeu Martin est demandé au téléphone. Bonsoir, Martine. Moi, je suis demandé au téléphone. Vous êtes sûr qu'il s'agit de moi? Oui, oui. Venez. Venez dans le vestiaire. Qu'est-ce qui se passe? Ben, rien. Je suis demandé au téléphone. Excusez-moi. Je reviens tout de suite.
Fermez la porte. Monsieur Martin, donnez pas votre réponse ce soir. Ma réponse? Au sujet de l'autopsie. Non, ça, mon père a raison. Vous écoutez aux portes. Non. Ben, je veux dire, oui, mais si je l'avais pas fait, vous seriez pas ici. Oh, puis ça n'a pas d'importance. En tout cas, pas tout de suite, là, pas ce soir. Oh, je pourrais plus rien vous dire maintenant. Voyons, calmez-vous, calmez-vous. Qu'est-ce qu'il y a, Martine? Je vous assure que vous pouvez me faire confiance. Tout ce que vous me direz sera rigoureusement confidentiel. Pourquoi est-ce que je dois pas donner ma réponse au sujet de l'autopsie? Parce que le matin même de sa mort, Madame Martin... Continuez. Elle m'a fait demander dans sa chambre. Pour vous dire à vous aussi qu'il ne devait pas y avoir d'autopsie? Oh non. Pour me donner... Je veux dire, pour me confier... Vous confiez quoi? Un cahier dans lequel elle écrivait tous les jours. Son journal, je crois. Son journal? Martine, est-ce que vous me dites la vérité? Je ne sais plus à quoi m'en tenir à votre sujet. Bon, vous avez le regard le plus droit qui soit, mais par ailleurs, certains de vos actes sont si... déroutants. Ce cahier existe vraiment? Oui. Oui. C'est pour ça que je suis allée vous chercher. Je voulais vous le donner. Je voulais vous demander de ne pas prendre de décision avant d'avoir lu le cahier. Vous savez donc ce qu'il contient? Vous l'avez lu? Non! Non, non, je vous le jure. Vous en aurez la preuve d'ailleurs. Il faut une clé pour ouvrir le cahier. Vous serez obligé de briser la serrure pour le lire parce qu'on n'a pas retrouvé la clé. Qui en? Moi. Moi, oui. Bon, je comprends plus rien. Où est le cahier? Dans ma chambre. Je vais le chercher. Non, attendez, attendez. Tout ça est bien vrai. Ma mère m'a bien mentionné, moi particulièrement. À mon fils Beaujeu. À personne d'autre qu'à mon fils Beaujeu. Malgré tout, vous avez gardé ce cahier depuis plus de 2 mois. Pourquoi? Je le sais pas. Je vous jure que je le sais pas. Mais c'est pas un délit, vous me l'avez dit vous-même. Un délit? Oui, oui, vous me l'avez dit quand je suis allée vous voir au palais de justice. Il était question de la lettre à ce moment-là, mais ça revient au même, non? Je me moque bien de la loi pour l'instant. Je pense à ma mère qui, sur le point de mourir, vous a choisi vous, parmi toutes les personnes de la maison, vous particulièrement, vous donnant ici la plus grande preuve de confiance qu'on puisse accorder à un être humain, et je comprends pas. Pourquoi avoir gardé le cahier? Dans quel but? J'avais pas de but. Je voulais vous le donner. Puis je l'ai pas fait. Je sais pas exactement pourquoi. Est-ce qu'on sait toujours pourquoi on fait les choses? Vous, est-ce que vous savez à chaque fois? Non, non, je le sais pas toujours, vous avez raison. Je serai la dernière personne à pouvoir juger qui que ce soit. Oh. Excuse-moi, mon vieux. Bon, je m'en veux-tu? T'en fais pas. Motus, discrétion garantie. Ouais. Le parfait petit mari. Imbécile. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Aucune importance. Allez chercher le cahier, Martine. Pour l'instant, c'est tout ce qui compte. Je vous le donnerai certainement pas devant témoin. Votre mère a dit, pas devant les autres. Mm-hmm. Attendez, j'ai une idée. Voici mon imperméable. Vous aurez qu'à glisser le cahier dans la poche quand on sera tous dans la bibliothèque. Hein? Pourvu que je le reconnaisse, tous vos manteaux se ressemblent tellement. Ouais. C'est l'idéal bourgeois, mais regardez. On se distingue quand même par nos initiales. On va aller à l'intérieur. Bon. Vous ne prendrez pas de décision avant d'avoir lu le cahier, c'est juré. Juré craché. Ben quoi? On disait ça quand on était petit, non? Moi, oui, mais vous? Ben, moi aussi. Une dernière chose. Est-ce que c'est cette fameuse question d'autopsie qui vous a décidé à me rendre le cahier? Oui. Pourquoi? Je me suis dit que... J'ai pensé qu'elle en parlait sûrement dans son cahier de l'autopsie et que... Elle disait sûrement pourquoi elle s'y opposait, que comme ça, sa volonté serait respectée. C'est pour que sa volonté soit respectée que... Puis moi qui vous faisais des reproches. Je devrais vous remercier. Mais non, mais non. Qui vous demande des remerciements? Sachez que je mérite rien et que ça m'est bien égal. Quelle drôle de fille. En plus, c'est parfaitement vrai que j'écoute aux portes. Et je le ferai encore.
Que fait-il donc? Va-t-il nous faire attendre toute la soirée? Bon, on est bien tous ensemble. Vous voyez, ma belle Céline? Vous trouvez? Oui, Gabriel. Qu'est-ce que tu penses de ma proposition? Est-ce que ça te déplairait de venir vivre ici? Ben... Et avoue que ça serait une bonne solution, aussi bien pour vous autres que pour moi. Je dis pas si je vous demandais d'abandonner un château, mais c'est grand comme ma main chez vous. Oui, pour recevoir, c'est très ennuyeux. Mais dans ta situation, toi, t'es souvent appelé à... Oh, nous recevons à l'hôtel. La plus forte raison, mais ici, ça ne coûtera rien. Merci. Mais à vrai dire, je songe depuis longtemps à acheter une grande maison sur la montagne. Mais Céline manifeste si peu d'enthousiasme que... Oh, ici, là ou ailleurs... De toute façon, vous trouverez jamais une maison plus grande que celle-ci. Et craignez pas que je vous dérange tout le temps. Moi, c'est à l'heure des repas, surtout, j'aimerais retrouver quelqu'un. En dehors de ça, chacun sa vie. Vous faites ce que vous voulez, moi aussi. C'est très aimable de votre part de nous inviter, M. Martin. Je crois que... Ce serait ridicule, papa. Vous savez très bien que nous ne pourrions jamais nous entendre. Ma fille, pense pas juste à toi. Il n'y a rien de pas fait, c'est certain. Mais ton mari aurait tout avantage à vivre avec moi. Je l'ai déjà aidé dans le passé, je pourrais encore lui être utile. Pas vrai, Gabriel? Il est évident que... un homme comme vous... Parlons-en plus pour ce soir. Et pensez-y bien avant de refuser. Si ça s'appelle pas du chantage... Je veux pas, Gabriel. Je veux pas revivre ici. Chut! On en reparlera. Veux-tu me faire confiance pour une fois, Céline? Pas quand il s'agit de papa. Tu lui dois trop. Oh. Eh bien, beau jeu, t'en reçois des téléphones. C'est à croire que le sort de ta vie était en jeu. Il l'était peut-être. Sans doute une jolie cliente. Sacré beau jeu. Idiot. Si nous revenions à notre sujet. Comment, c'est pas encore réglé, ça? J'ai déjà l'adhésion de Laurent. Je croyais aussi avoir celle de Beaujeu, mais... Céline prétend que tu n'as donné la tienne qu'à demi. Elle a raison. Je demande à réfléchir. Tu vois? Non, nous n'allons pas reprendre toute la discussion. Je demande qu'un délai. Il s'agit d'une promesse qu'on a faite à maman et ça me paraît suffisamment important pour que j'y réfléchisse. Je pars après-demain. Accorde-moi une journée de plus. D'ailleurs, la chose peut très bien se faire sans toi. J'appellerai Rondeau moi-même au besoin. Ajoutez donc plutôt votre consentement à celui de Laurent et nous serons trois contre Céline et Beaujeu. Ça doit se passer entre vous. J'ai dit que j'accepterais si tu avais la majorité, pas autrement. Parle-moi plus de ça. Est-ce que je vous serai un petit quelque chose? Michel, je t'assure que j'agis pas par caprice. Je sais, par sentimentalité, ça ne vaut pas mieux. Et que j'ai hâte de me retrouver parmi des gens sensés, capables de discuter rationnellement. Eh bien, retourne donc à tes laboratoires, puisqu'il n'y a que cela qui t'intéresse. Et voilà. Je n'attendais rien de cette réunion. Elle n'a rien donné, je ne devrais pas être déçu, et pourtant, je le suis. Et c'est ton opposition qui me déçoit surtout. Pourquoi te le cacher? Je m'étais dit, au moins, bon, je comprendrai. Tant pis pour ceux que cette autopsie aurait pu sauver de la mort. Seras-tu ici demain après-midi? C'est tout ce que cette réflexion t'inspire? Et qui te dit que ma réponse n'a pas un lien direct avec ta réflexion? Pour un savant, tu sautes bien vite aux conclusions. Tu as raison. Je m'excuse. J'ai perdu l'habitude des réunions de famille et tout ce blablabla m'a crispé. Oui, je serai ici demain après-midi. Viens me donner ta réponse. Quand même, beau jeu, tu me déçois. Intellectuellement aussi bien que fraternellement, tu me déçois. Là, on aura la paix. Merci. Je pensais qu'à ça. Vous voyez, c'est impossible de l'ouvrir sans l'abîmer. Quel dommage. Oui. Quoi? La clé. Je suis sûr que je l'ai. Que je la porte sur moi sans le savoir dans le médaillon de ma main. Vous croyez qu'il y aurait de la place? Ah oui, de toute petite, regardez la serrure. Vous l'avez donc jamais ouvert? Plusieurs fois. Il y a une boucle de cheveux protégée par une vitre, regardez. Mais la vitre s'enlève peut-être. Ah, parfaitement. La clé est là.
cachée par la boucle de cheveux, était là, Martine. Je la portais sur moi. Tenez. Voyez bien. C'est merveilleux. Maman a évidemment pensé que je ferais le rapprochement. Il y a une inscription gravée au fond du médaillon. Vous avez vu? Là où était la clé? Non. Les lettres sont trop fines, vos yeux sont peut-être meilleurs. Qui suis-je? Qui suis-je? C'est étrange. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'elle en parle dans son cahier. Qui suis-je? Comprenez-vous? Est-ce que la clé aurait un rapport avec le qui suis-je? La clé de l'énigme. Alors la réponse pourrait être dans le cahier de maman. Ah, comme c'est étrange. Bon, cachons tout ça avant que quelqu'un arrive. Hein? Ce sera notre secret, hein, Martine? J'aurais craché. Merci. Dites-moi, ma mère vous a-t-elle confié le cahier et le médaillon le même jour? Oui, le jour même de sa mort. Ainsi, deux fois, vous avez été mêlé à ma vie en des circonstances où ma mère était en cause. Croyez-vous que ce soit un hasard? Je sais pas. Vous? Non plus, Martine. Non plus. Bon. Merci encore. À bientôt. Est-ce que c'est ça que vous vouliez, Madame Martin? Oui. Autrement, je me sentirais pas si soulagée. Oui. J'ai fait ce que j'avais à faire. La seule chose que je comprends pas, c'est votre question. Qui suis-je? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je demeure votre obligé. Michel Martin. C'est tout? C'est tout. Et c'est la dernière lettre. Je peux partir en paix, je suis en règle avec tout le monde. En paix. Quel ton sinistre. J'ai tellement de peine de vous voir partir. Depuis que je suis à Montréal, à part ma mère, vous êtes la seule personne qui m'ait témoigné un peu d'amitié, de considération. Et Philippe, mon cousin? Oui, mais il peut pas m'aider, il est presque de mon âge. Si vous entendez, lui qui a au moins 50 plus que vous. Vous m'avez déjà dit que l'âge réel avait aucune importance. C'est vrai que d'une façon, vous avez plus de maturité que lui. Eh bien, ce sera vous qui l'aiderez. Il était très malheureux dans son enfance. Il l'est encore. Aidez-le à avoir confiance en lui, à aimer la vie, à s'aimer lui-même surtout. Vous dites que j'ai fait quelque chose pour vous? Vous m'avez rendu le goût de l'étude que j'avais perdue. Eh bien, en échange, rendez à Philippe le goût de la vie. Quant à vous, continuez à vous instruire. C'est bien mon intention. Étudiez, développez votre intelligence. Mais prenez bien garde de ne pas vous laisser bourrer le crâne de notions toutes faites. Car ce serait pire que l'ignorance. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il vaut mieux vivre dans le doute perpétuel, et même dans l'erreur, que de se contenter des réponses trouvées par les autres. Que votre vie soit une recherche inlassable de la vérité dans quelque domaine que ce soit, et que le reste soit pour vous sans importance. C'est la grâce que je vous souhaite. Amen. Je garde tout cela inscrit dans mon cœur. Dans votre cerveau, malheureuse. Dans votre cerveau, le cœur oublie trop vite. Bravo, Polonius. Ah, insolent. Insultez-le pas trop, vous avez encore besoin de lui aujourd'hui. Ah, c'est oui, tu peux te libérer? Ah oui, ma journée est à ta disposition. Par quoi on commence?
Bon, j'ai toute une liste. Voilà. Je vous rappelle que votre frère doit venir à 4 heures cet après-midi. Un beau jeu. Il doit m'apporter sa réponse au sujet de l'autopsie. Je m'explique pas son attitude. Il était prêt à me donner son adhésion. Il l'avait presque fait, mais brusquement... Non, mais tu t'y es mal pris. Il fallait leur dire que le docteur Rondeau attribuait la mort de ta mère à un crime. Un empoisonnement, par exemple. Quoi? Mais dans ce cas-là, même mon oncle aurait donné son consentement. Oh. Quand il s'agit de remuer de la boue, de la saleté, tout le monde est prêt à collaborer. Mais pour ce qui est d'aider la science, par exemple, ça... J'ai passé l'âge où l'on croit qu'on peut changer le monde. Bon, allons, viens, nous perdons du temps. Est-ce que vous venez aussi? Ah oui, elle pourrait nous aider à choisir la montre. Philippe. La montre pour maman, pour l'anniversaire de maman. Ah, oui. Alors, vous venez? Oui, mais pas pour donner mon avis. J'aime juste les montres d'hommes. Je doute fort que votre mère... Les montres d'hommes? Même pour une femme? Pourquoi pas? C'est ridicule de nous faire porter ces petits bijoux absurdes où on s'arrache les yeux pour voir. Parlez-moi d'une montre comme celle-là. Tu sais, je suis sûr que maman, qui a une très mauvaise vue, serait contente de... Oui, ben venez, vous êtes pleine de bon sens, vous nous conseillerez. Vous voulez vraiment? Et voyez, vous nous êtes indispensable. Je vous rejoins à la porte. Attention, toi, c'est une surprise que je veux lui faire. Ouais, tu vois bien que j'ai bien fait d'en parler, elle aurait pas aimé la montre qu'on aurait choisie. C'est juste. De toute façon, c'est toi qui as failli nous trahir, c'est savant, ça croit tout savoir, ça sait même pas mentir. Moi... Maurice? Ça va pas mieux, Albert? Oh non, ça va pas mieux. J'ai été obligée de faire venir le médecin cette nuit tellement il m'inquiétait. Autrement dit, encore une nuit sans sommeil pour vous? Oui, allô? Un instant, s'il vous plaît. C'est pour vous. Il faut que je parte, M. Martin m'attend. Bonne journée, Maurice. Bonne journée. Allô? Je comprends pas, là. Qu'est-ce que vous racontez? Oui, je suis toujours là, oui. Non, j'en savais rien. J'y vais tout de suite. J'y vais. C'est impossible. C'est impossible. Oh non, mon Dieu, non, non. Oh mon Dieu. Je parle avec. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il y a rien. Mais oui, il y a quelque chose. C'est mon oncle? Il est plus mal? Rien, je te dis. Rien que je puisse te dire. Il faut que je m'en aille. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe encore? C'est rien. Mais là, si on s'en va toutes les deux, mon oncle va être tout seul. Ben, tant pis, je suppose, tant pis. Maman, je vais rester avec lui, vous le savez bien. Bon, tant mieux. Je vais m'habiller. Maman, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous me cachez? Je vous ai jamais vu comme ça. Laisse. Venez. Il faut que je parte là. Oui. Venez. Dans quelques minutes, une grande dame du théâtre, André Lachapelle, une grande vedette de la chanson, Corey Hart, et un grand nom de la petite vie, Claude Meunier. Dans deux minutes, L'Écuyer, manquez-le pas. Et demain, au grand film, Don Juan de Marco.